Je suis Ramon Enrique, je suis un peintre d'architecture. J'habite à Igualada, une ville proche de Barcelone. Je fais Beaux-Arts il y a longtemps. Après avoir fini les études de Beaux-Arts aux années 80, j'ai décidé d'aller voir mes références dans le monde de l'art, de la peinture. Quand j'ai visité Mesmith, Donald Judd ou David Hockney, je cherchais comment ils faisaient pour organiser une vie d'artiste. Je suis un peintre d'architecture parce que je pense que l'architecture ne touche à tout le monde. On le voit partout, l'architecture, donc je le synthétise et je le travaille dans une conception théâtrale et absolument de trompe-l'œil et d'ironique. Je pars beaucoup de fois dans un petit dessin, mais après on le travaille. Quelquefois je le perds, je ne l'aime pas et je repeindre au-dessus. Beaucoup de fois quand il y a un tableau au-dessus de l'autre, la pièce ça réussit bien parce que c'est comme s'il était déjà une vie énergique au-dessus. Je suis content quelquefois. Quand les tableaux de dessus me parlent un peu de ce que je dois faire de nouveau dans la surface finale. Je cherche la ressemblance avec la simplicité des formes, non? Je fais des lignes très mystérieuses, très obscures, et après des horizons très ouverts. Je cherche cette contradiction entre les espaces ouverts et les choses qui gardent le mystère et qui doivent être comme une boîte fermé, donc aucune personne connaît qu'est-ce qu'il y a dedans, mais tout le monde peut imaginer qu'est-ce qu'il y a. Moi, les tableaux, ils commencent toujours dans un quadrillage. Au-dessus de ça, j'ai mis les différents volumes, les objets, que je les traite comme si c'était des architectures anciennes qui ont perdu déjà leur fonction, qui sont comme des architectures d'enfants ou comme des temples sumériens. Beaucoup de fois, je fais des labyrinthes où tous les tableaux sont pleins de rampes et de toits et de tout ça, comme si c'était un village. Je cherche les mystères de l'architecture pleine, de l'architecture rationaliste, de l'architecture à peu près quelquefois laide de Californie, mais très fonctionnel, très simple. Pour monter, il y a une rampe, pour les toits, il n'y a rien, et c'est plein, non? Donc j'ai cherché un peu ce volume essentiel et je lui donne un caractère de monumentalité. J'aime bien le machiavélisme entre l'architecture moderne et l'ancienne parce qu'elles sont très pareilles, il y a des rimes, il y a des choses qui sont toujours vont être les mêmes. Beaucoup de fois, l'inspiration pour cette architecture n'est pas les grands noms, les grands architectes, sinon la simplicité de peut-être l'architecture africaine, les constructions industrielles de ces parties qui ont déjà disparu. Aussi les cimetières et l'architecture symbolique. J'utilise aussi les couleurs simples, terrain. Et j'utilise le bleu seulement pour contraste. J'ai choisi l'architecture comme grand motif de mon discours poétique. Mais après, je travaille aussi les typographies, les lettres, comme si c'était traité d'une sculpture. Non? Je cherche l'architecture entre la typographie. J'ai fait des compositions avec une poésie de Leonard Cohen, quelque chose qu'il m'a touché. Et après, j'enlève des lettres, je laisse le reste comme un naufrage de lettres, où est plus important la physique de lettres que la signification.